je le fasse. C'est quand même bien ces remorques se nouaient immergeables, hein. Regarde, c'est pas pratique ça. Bon allez, ciao les petits, hein, bye bye, hein, à ce soir. Première journée, eh ben je peux vous dire que je suis content d'avoir une cagoule étroite, hein, parce que je peux vous dire que... Je suis frigorifié. Putain, elle est gelée. Vas-y, mets-toi dessus. Par contre, à mon avis, ça sert à rien. La visière elle est affreuse. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'au fond elle est sale. Allez, encore une fois, le mental dans l'eau sale et froide joue énormément. Les descentes se font sans absolument rien voir. Et au dernier moment, eh bien, on voit apparaître les structures, là en l'occurrence, quelques structures humaines qui ont été posées au fond. Pas évident de pouvoir résister mentalement pour pouvoir arriver au fond et se placer. On voit les sars, mais voilà, c'est pas des gros poissons, pas de loups, pas de prédateurs. Et l'apnée est difficile, très difficile dans ces conditions-là, avec le froid qui vous saisit. C'est très difficile d'arriver à pouvoir se maintenir. Et on attaque la remontée. Bon, c'est dur les premières immersions, hein. Je sais ce que c'est, hein, quand l'eau est à 11. 11 degrés, 17 mètres, au large d'Argelès. Et on a Fafa qui est au fond, super motivé. Ouais. Nicolas, il a pris un gros coup de froid d'entrée. Ouais, je viens de faire une petite descente là, un 2. Et moi, devinez, moi je suis au chaud sur le bateau. Je leur fais le capitaine. Parce que moi je suis pas fou, j'attends qu'on aille dans peu d'eau et puis je vais m'exercer à ma pêche favorite, à la pêche à trous. Mais là, profond avec de l'eau à 11 degrés, à 18 mètres, on va laisser tranquille. Et Fafa il est encore au fond? Putain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cela fait déjà plus de 4 heures que l'on chasse. 4 heures à faire tous les postes que l'on pouvait imaginer. Et malgré tout ça, c'est le désert. Mais comme les conditions météorologiques sont très mauvaises et l'eau froide et l'absence de poissons au fond, on essaye de passer vers une chasse à l'indienne dans moins d'eau. Mais c'est tout aussi difficile. Le poisson n'est pas là. C'est très compliqué. La chasse en hiver sur nos côtes catalanes est vraiment un enfer. C'est vraiment très très compliqué d'arriver à trouver un ou deux poissons. Il faut se concentrer. Et il faut aller les chercher dans peu d'eau des fois. Mais quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Vous allez voir. Il va aller chercher son poste d'agachon. Voilà, il descend dans la faille complètement. Et il va remonter la faille pour se placer à l'agachon en haut de la faille. Pour attendre le poisson qui pourrait être dans l'écume et pour redescendre. Voilà. Et on voit bien que malheureusement, c'est le désert absolu. Pourtant, c'est des postes qui donnent régulièrement du poisson, qui descendent de la faille. Mais voilà, c'est l'hiver. Si vous regardez bien, vous constatez qu'il n'y a même pas une girelle, même pas un saran, rien. Tout le poisson est caché et là, tranquille, au plus profond des trous ou à plus grande profondeur pour se protéger de l'hiver.
Rien du tout. Rien. Pourtant je suis dans une faille. C'est incroyable parce que vous voyez, il n'y a pas de vie, mais quand y a pas, on dit qu'il n'y a pas de vie, c'est désertique. Horrible. C'est comme ça. Hein? Hein? Ouais. J'ai pas compris. Non, mais va couper le ton. C'est bon. Je croyais que t'allais tirer, allô? Et comment tu l'as monté toi? Ah ouais, t'en as mis deux comme ça sur les côtés hein. Yes. Ah ouais, c'est plus intelligent que moi. Oh, je sais pas ça. Par contre, t'as pas mis les nœuds accessibles, donc t'arriveras pas à les attraper avec les doigts. Mais comme je m'en sers pas souvent. Ouais, je t'en fous. L'utilisation du dérailleur est très simple. Il a une encoche et que l'on va glisser dans l'endroit de la flèche qui permet de s'imbriquer à l'intérieur de la cassette. Et c'est bien pratique hein, parce que des fois on a les flèches bloquées. Et voilà, hop, on va aller avec le bras chercher. Alors je suis désolé, mais malheureusement le trou est très sombre, donc on voit pas bien le travail. Mais vous retrouverez l'explication sur la vidéo de la ceinture. Mais vous entendez la flèche, on entend la flèche parce que vous voyez, il la tourne avec la main. Et voilà, elle vient et il a débloqué la flèche. Et ça c'est bien bien pratique. Parce que ça permet vraiment de pouvoir récupérer des flèches dans des endroits où on n'aurait pas pu les récupérer normalement. Ah c'est nickel. J'ai galéré au début à trouver, tu sais, l'encoche. Ouais. Parce qu'elle est pas au même endroit sur toutes les flèches. Putain. Et après... Putain, non, mais moi non, j'ai galéré, j'arrivais pas. Hein. Franchement ça va bien. Merci. Allez, je descends sous une immense dalle que je connais bien, qui m'a souvent donné des gros sars, en espérant les trouver. Il y a souvent des sars et des fois des loups même qui rentrent sous cette pierre. Et au fond de la pierre, il y a même des mostels. Il faut bien se concentrer parce que l'apnée n'est pas évidente, parce que vraiment on rentre dans une vraie grotte. Et pourtant, ce n'est pas une grotte, c'est juste une pierre posée, elle est énorme. Posée, vous voyez, on rentre à l'intérieur et il faut commencer à avancer vers le fond, passer... dessous le soubassement là que vous voyez pour aller vérifier de l'autre côté d'autres trous où la lumière passe. Mais malheureusement, comme vous le constatez, c'est le désert là. D'habitude les sars sont là, vous voyez, bien cachés ou encore là, mais là juste en dessous de la pierre là, voilà, là, mais rien. Et hop, vous repartez en arrière pour ressortir. Il faut bien rester concentré parce que c'est des manœuvres sous les pierres comme ça qui sont pas évidentes. Oh là là, c'est le désert. Mais enfin Nicolas a repéré quelques beaux poissons sous une pierre. C'est pas trop tôt. Mais comme vous pouvez le voir, la pierre est difficile. Elle est très très sombre. Et c'est pas évident de les voir. Là, on voit que ça, au niveau de l'infractuosité, bon, là, on voit le jour et par moment le jour disparaît. C'est les poissons qui font disparaître le jour, qui passent, et c'est le seul moyen de pouvoir les identifier. Autant vous dire que on n'y voit pas grand-chose. Hein. C'est très, 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 très difficile. Mais Nicolas s'est bien positionné, il prend son temps. Mais c'est pas facile d'arriver à acclimater son œil. Donc du coup, il laisse son fusil au fond et il remonte. Ouais, très très dur. Il y a plein de beaux sars, mais ils sont très profonds dans la cavité. D'accord. Du coup, faut que je m'acclimate. Il faut essayer de fermer les yeux pendant que je descende. Ouais, faut que tes yeux s'habituent plus vite au noir. D'accord, ok. Alors là, t'as trouvé les sars, t'as fait un beau sars. Je vais essayer d'y aller et je vais faire rapide. Ferme bien les yeux pour acclimater tes yeux au noir avant de rentrer dans la pierre. En fait, c'est une bonne technique. Si vous fermez vos yeux avant de rentrer dans la pierre, eh bien, ça va vous permettre d'avoir déjà vos rétines qui vont se contracter et qui vont permettre de s'habituer au noir plus rapidement quand vous ouvrez les yeux sous la pierre. Et là, le tir est parfait. Nicolas se bat.
Et voilà, il va nous sortir un beau poisson. Alors c'est pas évident, encore une fois, parce que la pierre était difficile, vous l'avez vu, et les sarres étaient profonds. Et voilà, ouh, un beau papé. Ah ben ça fait plaisir de le voir sortir un beau poisson comme ça. C'est vraiment pas évident. Voilà, magnifique. Putain, il sauve l'honneur le Nico. Il est pas beau. Il a sauvé l'honneur le Nico. Oh putain. Oh là là, le bon. Oh là là, hey, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Bon, bah, écoute, on aura trouvé au moins un poisson. Bon, enfin, il a fait un bon bec au finot, mais il filme pas. Je crois. Mais là, ça. Ouais, faudra y retourner plus tard. Ouais, on va aller. Allez, c'est à mon tour. Je sais que le premier tir et la sortie du poisson auront fait bouger les poissons. Peut-être qu'on aura la chance de pouvoir mieux les voir. J'ai déjà tiré. Et je sors un sar, mais ma flèche est bloquée au fond. Et je peux vous dire que je suis déjà content d'avoir fait un sar, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a d'autre. Alors vous voyez là, ce que je fais, c'est que je le bloque. Et pendant que Nicolas va défaire mon moulinet, moi je tue le poisson au fond parce que je sais que ma flèche est bloquée. Et j'espère qu'elle est bloquée, non pas dans la pierre, mais avec un autre poisson. On va pouvoir utiliser le dérageur, je crois. La flèche est complètement bloquée. Ouais, elle est trop loin la flèche. Elle est trop loin. Ouais. On va essayer de passer par l'autre côté. Ouais, ça va être compliqué. Alors je redescends avec mon fusil, dont on a décroché, grâce à la queue de cochon, on a décroché le fil. Parce que je vais me servir en fait du fil, enfin de la tête du fusil, pardon, pour pouvoir pousser le fil qui est bloqué et déplacer la flèche. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai réussi et je récupère mes deux autres poissons et le couteau de Nicolas qui était tombé. Donc un autre sar et malheureusement une sope. Alors les sopes, c'est pas bon à manger, ne les tirez pas. Et malheureusement, quand elle est prise. Donc je la tue et elle servira de repas à mes chats. Ne rigole pas Nicolas. Ne rigole pas. Parce que j'ai te retrouvé ton couteau. T'as retrouvé ton couteau dans ton cerf, non? Non, ouais, pas loin, ouais. Mais bon, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon. Bon, hey, y avait trois poissons sur la flèche. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y avait deux sars et... Tu voulais pas loin. Ah, c'était chien qui va être content. Ouais, mais chien va être content. Et je suis tellement fatigué, tu sais pas ce que je fais? Je vais... au bateau et je vous laisse vous démerder allez aux poissons là. Alors tu vois voilà, on va le monter. Donc ça là Nicolas c'est trop petit parce que le diamètre hors piquant doit faire minimum 5 cm. D'accord. Là tu vois là c'est beaucoup trop petit. Même celui-là il est limite. D'accord. Il faut chercher des beaucoup plus gros que ça. Et ça c'est trop petit, on les laisse. D'accord. On va vérifier, avant de les ramasser, on vérifie d'abord s'ils sont pleins. Parce que s'ils sont vides, on ne les ramasse pas. Pour ne pas les tuer pour rien. D'accord, D'accord. On contrôle. Parce qu'en fonction de la lune, on peut très bien avoir des oursins vides ou des oursins pleins. Alors ça donne quoi? Tu vois Steph, on te les amène et tu les tries. Bon, tu vois, ils sont pas très très pleins, hein, tu vois. Oh putain. Ils sont pas super pleins. Bon, ils sont mangeables, mais ils sont pas super pleins. Il faut les prendre dès qu'ils sont serrés entre eux. Et le mieux, c'est si tu as des algues, de la pose de lit. Voilà, exactement. Mais sauf que tu n'as pas d'algues. Attends, d'abord, je vais les goûter pour voir s'ils sont bons. Tiens. Ou tiens, pour ça, c'est ce que je vais les faire tomber. Mais tu vois, ils sont limites, hein. Ils sont vraiment pas très pleins, hein, tu vois. Voilà, donc. Tiens, essayez-en d'autres. Attends, laisse-moi manger. Ah, ils sont bons. Non, ça va. Ils sont pas très pleins. On va trier donc les tailles. D'accord, Nicolas? On va trier les tailles pour prendre les plus gros. Il faut vraiment choisir les gros, d'accord? Ok. Parce que ils sont pas très pleins. Il faut choisir plus gros que ça encore, tu vois? Ça, c'est limite. Tu vois, c'est vraiment le strict minimum. Et tu vois, il y a une maladie qui se forme, ils ont des champignons qui leur enlèvent les épines. Moi j'ai constaté ça depuis quelques temps, il y en a plein comme ça, qui sont comme ça. Et ça c'est une maladie. C'est dommage. Bon, allez, va en chercher, essaie de trouver plus profond et plus gros. Tu vois, celui-là il est beau, mais voilà, minimum ça, d'accord?
Allez. Pour la réglementation des oursins, il faut savoir plusieurs choses. C'est que chaque région a une réglementation spécifique. Pour nous, notamment en Occitanie, la pêche aux oursins pour la pêche de loisirs est autorisée du 1er novembre au 15 avril de chaque année. Et on a le droit tout simplement de pêcher, y compris dans le parc marin, au maximum 4 douzaines d'oursins par jour et au maximum 10 douzaines d'oursins par navire et par jour. Donc attention, il n'y a pas que la pêche de chaque personne qui compte, il y a aussi 10 douzaines maximum par embarcation. Donc si vous êtes 3, vous auriez droit à 12 douzaines, mais là, en l'occurrence, on est 3, on n'a droit qu'à 10 douzaines. Tu les comptes, Steph ? En 20 ans ou pas ? Plus profond, ils sont plus gros, Nicolas les fait bien là. Ouais, non. 17, si c'est pas mal. 18, 19, 20. Laisse par là, Fofa, je te réchauffe l'eau. 23, 24. Première, 24. 25, 26. Ouais, il en a vu. T'as vu des ça? Ouais. Mais non, il vole. Tu veux 75? Non, ça devrait aller, je pense. Alors gardez toujours votre fusil avec vous quand vous faites les oursins, parce que le bruit du bateau plus les chasseurs qui sont dans l'eau en train de faire les oursins font souvent mettre les sarres à trous. Et là, Fafa, qui est un sacré champion de pêche à trous, les a trouvés. Et c'est pas son 90 qui va l'handicaper. Il va en tirer un. Voilà. Et on le voit travailler. Toujours bien tête en bas, vous voyez. Et il va chercher son poisson. Et encore un sar de prix. Vraiment, c'est un grand champion, Fafa. C'est joli. Non, mais il y en a 5 ou 6, hein. Ah ouais ? Dans la bière. Putain. Il s'arrête jamais. Ouais. Ah, il s'arrête jamais. Fais un live. Non, mais vous y croyez, vous ? Plein hiver. 17h. Et il me faut rentrer. Il fait presque nuit. Et moi, voilà, comme un couillon là, je les suis aux gamelles là. Les enfants là. On lui fait revivre jeunesse. Ouais. Et je me pèle. Moi je suis bien là dans ma cagoule là. Vous voyez ? Voilà. Ouais, vous êtes régalés les petits ? Ouais, c'est top. Ouais. Bon, ben on essaye de rentrer. Allez, on essaye de rentrer. Allez. Bye bye. Et on va se faire démonter. Bon les gars, vous savez que vous êtes insupportables, qu'il est 18h presque, que le soleil se couche et qu'on est en plein hiver, l'eau est à 13 degrés et je ne peux pas vous sortir de l'eau. Mais vous êtes des malades mentaux les mecs, moi je vous le dis, tous les deux là, vous êtes irrécupérables. Et on a fait une belle pêche en plus, regardez. Ouais mais bon, voilà. Ce matin, toute la ça, journée. Ah oui, toute la journée et on est trois. Hein. On a fait aussi des oursins, voilà, et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sars et une mostel. C'est une belle pêche non pour une pêche d'hiver. Ça va, tu t'es régalé mon papa? Ouais, les sars ils sont beaux, c'était sympa. Ouais. Hein mon Nico? Et ouais, après le confinement... Eh ouais! On ne sort pas de l'eau comme ça, après. Voilà! Mais regardez ça, il fait nuit, on est en plein hiver, ils sont encore dans l'eau. C'est parce qu'il fatigue, le vieux, c'est pour ça. Ouais, voilà, ça y est, je me fais allumer. C'est clair. Allez, bonne vidéo, les petits, bye bye! Ciao! Ciao!